Okay, now the day is coming to its end, and we are going to conclude with Jean-Baptiste Rudel, so our most successful entrepreneur so far. Of course, we need to find someone to beat you, maybe somewhere in this room, to be more successful than you. But now you are the best example we have, so we are very pleased to welcome you and thank you for sharing your experience, Jean-Baptiste. Merci Olivier. Bon, je pensais que tu allais faire l'intro en français. Bon, je vais, comme vous êtes tous fatigués en fin de journée, je vais la faire en français. Marie m'a dit, tu vas voir, c'est bon plan de passer le dernier. Il n'y aura plus personne dans la salle, il fera chaud, les derniers seront en train de roupiller. Donc tu pourras dire à peu près n'importe quoi, c'est pas très grave. Il n'y aura même plus de gens pour tweeter. Donc si, d'accord. Bon, il faut quand même que je fasse attention à ce que je raconte alors. Donc elle m'a aussi dit, donc le thème, si j'ai bien compris, c'est « Sky's the limit ». Pas facile de parler là-dessus, c'est un peu intimidant. Et peut-être pour, je pense qu'elle m'a elle m'a dit ça parce que bah, l'histoire de Criteo, c'est même si aujourd'hui c'est une jolie histoire, ça a été beaucoup de galères. On s'est beaucoup trompé, on s'est beaucoup fourvoyé, on s'est beaucoup mis dans des impasses. Et c'est aussi ça les startups, c'est pas que des grands succès. Donc peut-être pour démarrer, je vais juste savoir, pour que je comprenne à qui je parle, combien il y a de personnes dans la salle là qui ont monté leur boîte? Ah ouais, pas mal quand même. Ok, il n'y a pas que des investisseurs, il y a quand même quelques vrais gens qui ont monté des startups. Et combien parmi vous ont déjà fait un pivot? Machin américain, un pivot, pas mal, ouais. Combien ont déjà fait deux pivots? Ah, il y a encore quelques mains. Combien ont déjà fait... Trois pivots. Ah, j'en ai quand même deux. Moi, Criteo, on a fait trois pivots. J'aime bien ce mot pivot parce que c'est une jolie manière à l'américaine, très positive, de dire que finalement, on reconnaît qu'on s'est trempé, qu'on était dans la mauvaise direction, mais qu'on n'a pas envie de tout jeter à la poubelle. On a quand même certaines choses qu'on aimerait réessayer. On veut se donner une deuxième chance. Et ça nous est arrivé trois fois de suite. Alors, on a pu faire trois pivots parce qu'on a aussi eu la chance peut-être de pouvoir lever pas mal d'argent pour un premier tour. Notre série A, on en a levé 3 millions d'euros, ce qui est pas mal pour une équipe de 5 personnes. On n'avait que des slides, donc on a eu beaucoup de chance d'avoir des investisseurs qui nous font confiance. Et on a pu essayer beaucoup de choses avant de réussir. Au tout démarrage, Criteo, c'était un cœur de technologie sur l'analyse statistique du comportement des gens. Et en analysant des millions de comportements, on s'est dit qu'on allait pouvoir imaginer des choses intéressantes de ce qu'avaient fait ces gens après. Et au début, on s'est dit crème à l'un, on a dit bon, on va faire un site B2C, et on va faire des recommandations de films, et il y a plein de gens qui vont venir. Puis au bout de 6 mois, on avait 5000 visiteurs uniques sur notre site. Et dans le monde du B2C, 5000 visiteurs uniques, c'est pareil que zéro, quoi. C'est rien du tout, quoi. Donc on s'est dit qu'on faisait probablement fausse route. Et donc quand on a voulu lever notre première tour de table, on va trouver un truc plus sexy, parce que si c'est ça qu'on offre au VC, en gros, ça ne va pas le faire. Donc on s'est dit qu'on allait faire du B2B, c'est beaucoup plus sérieux le B2B, c'est mieux, quoi. Et donc on a pris le même modèle et on a dit on allait le vendre en marque blanche. D'abord au site de cinéma, Allociné a été notre premier client historique. Et ensuite, plus largement au site de e-commerce. Et là, en fait... Paradoxalement, notre malheur, entre guillemets, si on peut appeler ça, c'est que ça a quand même marchoté. On a eu 20, 30, 40 clients parce que la techno était bonne en termes de recommandations. On arrivait à faire des recommandations pertinentes, mais on n'arrivait pas vraiment à valoriser le service. On ne faisait pas beaucoup d'argent avec, quelques dizaines de milliers d'euros pour être précis. Ce qui n'était pas énorme. Et quand je faisais l'analogie à ce qui se passait aux États-Unis, les boîtes dans notre secteur faisaient quelques millions de dollars de chiffre d'affaires. Et on s'est dit, bon, si on continue sur cette voie, où est-ce qu'on arrive? On arrive que dans 5 ans, si on fait une exécution parfaite, qu'on est super bon, on va arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 5 ans de dur labeur pour arriver à 10 millions, ben, c'était pas très excitant. On s'est dit, si on fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le modèle. D'autant que j'avais déjà fait une entreprise avant où en 18 mois, on était arrivé à 15 millions de chiffre d'affaires. Et donc, je me suis dit, non, si je fais un truc qui,
pour travailler 4 fois plus et d'arriver, de jamais arriver à ça, ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Mais c'est dur de tuer un business qui marche, où vous avez des vrais clients, et de passer à autre chose. C'est beaucoup plus facile quand ça ne marche pas du tout. Et donc il nous a fallu 18 mois à 2 ans pour commencer à faire le deuil de cette première idée. Et bien, il fallait continuer à servir nos clients, parce qu'on ne pouvait quand même pas non plus les abandonner. Mais entre-temps, on a réfléchi à d'autres choses. Et puis, on s'est dit, on va avoir une idée géniale, on va faire un widget de recommandation pour les blogs. Donc ça, super idée. Effectivement, le moteur était très pertinent pour recommander le bon blog à lire. On est monté très vite à 40 millions de visiteurs uniques, ce qui était un beau chiffre. Par contre, on n'avait pas la moindre idée de comment monétiser le service. Et bon, et nos investisseurs nous avaient bien fait comprendre qu'on ne pouvait pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, il a fallu qu'on trouve autre chose. Et là, on a eu la chance, c'est que un de nos indépendants, Gilles Samoun, j'aime bien le citer, nous a soufflé l'idée, mais pourquoi vous n'essayez pas d'appliquer ça à la pub ? Alors, je fais un petit aparté, c'était que c'est un indépendant qui était venu par Marie Eclan, un de nos premiers investisseurs. Donc les VC, c'est ce que vous leur demandez au jour le jour, c'est surtout qu'ils vous foutent la paix et puis qu'ils vous laissent faire vos erreurs, parce qu'ils ne peuvent pas gérer la boîte à votre place. Mais une fois de temps en temps, ils ont un truc génial, c'est qu'ils vont vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que par nature, ils ont un carnet d'adresses qui est 10, 50 fois plus gros que le vôtre. Et quand je regarde l'histoire de Criteo, c'est une succession de rencontres avec des gens géniaux comme ça, qui ont transformé la boîte, des gens qu'on a pu recruter. Et une grande partie de ces gens sont venus de rencontres qui ont été suscitées par nos investisseurs. Et finalement, au-delà de l'argent qu'ils nous ont donné, c'est vraiment ça la principale valeur qu'ils nous ont apportée. Et qu'on a toujours cherché à produire, qu'on a eu des nouveaux investisseurs. Donc voilà, on a eu cette idée, et puis bon, il nous a fallu quand même un an pour mettre au point une sorte de prototype. Puis là, il a fallu trouver un client. On avait zéro légitimité dans le monde de la pub, on ne venait pas de ce monde-là. Donc c'était un peu la galère. Et on a trouvé une boîte sympa, qui probablement, je pense, avait galéré à leur début aussi, qui savait ce que c'était que de galérer, qui était Presse Ministère. Et à l'époque, je connaissais très peu Olivier et PKM, et puis... Mais bon, ils nous ont trouvé sympa, et puis probablement aussi, c'est un peu l'esprit French Tech, c'est qu'on galère, on sait que les autres galèrent, et si on peut leur donner un petit coup de pouce et leur aider quand ils ont une nouvelle idée un peu iconoclaste. Et donc, ils ont accepté de faire une campagne avec leurs données. Et encore une fois, ça n'avait rien d'évident, parce qu'on arrivait avec, on n'avait rien du tout à leur montrer, quoi. Et là, il y a eu un premier signe de vie, c'est qu'ils ont été contents des résultats de la campagne. Alors, la première campagne, on ne leur a pas fait payer, bien sûr. On était trop contents qu'ils acceptent qu'on travaille avec eux. Et surtout, on a eu un taux de clic sur la campagne qui était incroyable. Normalement, dans la pub, quand vous avez quelque chose qui marche très bien, vous faites plus 20%, plus 30%, et là, vous sortez les trompettes et vous dites à la terre entière que vous avez un super produit. Et nous, on a un truc qui faisait x5, 500% d'amélioration par rapport aux autres bannières. On s'est dit, oula, même si on ne connaissait rien à la pub, on s'est dit, là probablement, qu'on tient quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui nous a permis de mettre en place ce qui a été la vraie innovation de Criteo. Ça a été un modèle économique qui a été à la base de notre succès. C'était un modèle au clic. Dans le monde des bannières qui facturaient uniquement au view, à l'impression. Et ce monde au clic a permis à des gens comme Presse Ministère et après à tout un tas de clients français de nous faire confiance. Et assez rapidement, en quelques mois, on a eu des premiers clients. La Redoute, les Trois Suisses. Et on a la chance d'avoir un écosystème français où les retailers sont très sophistiqués, ils aiment bien les maths, ils comprennent bien. Et quand il y a un truc nouveau qui marche bien, ils sont très curieux. Et on a des écosystèmes en retailer en France qui est clairement un des meilleurs du monde. Et en termes de maturité marketing, je peux vous dire, on n'a rien à envier aux US. Et sur plein de domaines, on est plutôt meilleur. C'est probablement l'esprit cartésien français. Donc fin de l'année 2008, on s'est dit, ben voilà, on a un vrai produit, donc on va arrêter de faire des pivots. Maintenant, on va scaler notre produit, puis au début, il faut définir son marché adressable. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, parce que si vous définissez un truc trop petit, ben, vous n'y arrivez pas. Si vous définissez un truc trop gros, vous êtes noyé, vous n'y arrivez jamais, quoi. Et donc, en fait, le premier modèle qu'on avait, un de nos administrateurs, c'était Dom Vidal d'Index, qui entre-temps était rentré dans le capital, qui était l'ancien fondateur de Quelcoût. À l'époque, Quelcoût, c'était la plus belle aventure, une des plus belles aventures du net français, une sortie à plus de 400 millions d'euros. Et c'était une boîte qui, à son pic, a fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc quand vous êtes une boîte qui fait 1 million d'euros, vous donnez comme modèle une boîte qui en fait 100, ben vous dites que là, c'est couillu, quoi. C'est très ambitieux, quoi. Et c'est ça, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire aussi bien que Quelcoût, on va essayer d'aller encore plus loin qu'eux, quoi.
On avait l'impression d'être, d'être très ambitieux et on était très ambitieux en voyant ce facteur 100. Quoi. Donc là, on se développe. Ça avait été des champions européens. Donc très vite, on a monté des filiales en Angleterre, en Allemagne, en Italie. D'ailleurs, on n'a pas du tout marché au début dans les mêmes pays qu'eux. On a cartonné en Italie et en Allemagne et on a mis plus de temps à décaler en Angleterre. Quel coup, ça a été le contraire. Et puis là, au bout d'un an, on était monté de 1 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis là, on s'est dit, en fait, quand vous dépassez 10% de votre marché atteignable, c'est que probablement vous avez visé trop petit ou probablement c'est le bon moment pour redéfinir votre marché adressable. Parce que si vous êtes déjà à 10%, assez rapidement, vous n'aurez jamais 100%, donc vous allez saturer à 20-30%. C'est-à-dire que vous voyez déjà vous de la croissance. Donc il est temps, quand vous arrivez à 10% de votre marché, de voir plus grand. Et on s'est dit, finalement, quelle est la manière de voir plus grand? Au lieu de regarder l'Europe, on va regarder le monde entier. Et c'est quoi le monde entier? C'est les US, quoi. Donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut, en 2009, aller aux US, alors que le bon modèle, c'est quand même de rester en Europe et d'attendre que le gros américain vient de vous racheter, quoi. Et puis j'ai cherché des boîtes européennes qui avaient marché aux US. J'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé beaucoup qui avaient raté, ce qui était probablement plus intéressant. Donc j'ai parlé à plein d'entre eux et en fait, le fil directeur de toutes les boîtes, c'était que, en gros, ils avaient énormément galéré avec leur manager américain. Ils avaient recruté essentiellement des bus qui les avaient menés en bateau et en gros, les boîtes étaient arrivées nulle part. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut éviter le même problème? Parce que finalement, c'est très normal, quand vous mettez dans l'esprit d'un Américain, la France est le pays du vin et du fromage, c'est aussi le pays des TGV, de l'aéronautique, du luxe. C'est certainement pas le pays de la tech. Hein. La tech, tout est inventé aux US. Vous êtes brillant américain, vous allez bosser dans une boîte américaine. Qu'est-ce que vous allez foutre dans une boîte française? Et donc, pour éviter ça, je me suis dit, le mieux, c'est en fait de repeindre la boîte la plus américaine possible. Donc, je me suis installé là-bas, j'ai déposé mes valises. J'ai mis mes enfants à l'école américaine, j'ai dit « I love America ». Et surtout, j'ai pris des investisseurs américains, Bessemer, qui sont des gens très respectés, à qui on a donné un strapontin, on leur a donné 5% du capital. On n'avait plus besoin d'argent à l'époque, donc, parce que l'Europe déjà marchait très bien. Mais on s'est dit, si on n'a pas des Américains sur la photo, ça ne va pas le faire, quoi. Et d'ailleurs, bien nous en prie, c'est ça qui nous a permis de commencer à recruter l'équipe américaine. Et même comme ça, on a galéré aux US. Pendant 2-3 ans, on a perdu beaucoup d'argent aux US. Tout coûte 2-3-4 fois plus cher. C'est dur, c'est vraiment dur. Il faut être prêt à dépenser beaucoup d'argent. Ça nous a coûté probablement 20 ou 30 millions de dollars de démarrer le marché. Par contre, la beauté du marché, c'est qu'une fois que ça commence à marcher, après, vous avez un effet d'échelle. Les Américains, au début, ils croient pas du tout dans ce que vous faites parce que vous avez beau avoir 400 clients européens, tant que vous n'avez pas un client américain, ça vaut zéro. Hein. Les clients européens, ça compte pas pour un Américain. Par contre, une fois que vous avez des clients américains, alors là, tout de suite, et on a eu la chance d'avoir Zappos. Et là, ça nous a permis de décoller, quoi. Et là, on a commencé à repousser encore les limites du modèle, se dire, finalement, il y a quoi après les US? Il y a le Japon. Le Japon, c'est d'une certaine manière encore plus intimidant que les US, puisqu'ils parlent japonais au Japon, ce qui est quand même un peu compliqué. Mais ce qui est génial avec le Japon, c'est que, résultat, personne n'y va. Donc, quand on y va, je suis arrivé avec mes petites valises au Japon et j'ai décroché en quelques jours des rendez-vous avec des top guys chez Yahoo, des rendez-vous chez Rakuten, qui était à l'époque, ils n'étaient pas encore. Attends, est-ce qu'ils étaient? Si, je crois qu'ils avaient, ils avaient déjà racheté Price Minister. Effectivement, ça date d'avant 2008, le rachat. Olivier, le rachat de Price Minister, c'est quelle année? 2010. Oh, oui, c'est en 2011 qu'on est arrivé au Japon. Voilà, je mélange les dates. Donc j'ai pu dire, regardez, on a fait un truc génial avec. Donc la deuxième fois où finalement Prime Minister nous a donné un coup du destin, c'est qu'évidemment, faire un case study avec des Japonais, quand ils vont en racheter votre meilleur client français, c'est un peu le rêve, quoi. Et donc ils ont accepté de travailler avec nous, et Japon, ça a été un peu un conte de fées. C'est le pays dans lequel on a grossi le plus vite, qui est aujourd'hui le deuxième plus gros pays de Criteo derrière les US, loin, loin devant la France. Et c'est un pays incroyablement large et en termes de marché publicitaire. Donc après, il a fallu continuer à étendre le marché. On a étendu le produit. La prochaine frontière, ça a été le mobile. D'ailleurs, tout le monde me disait, vous pouvez pas rentrer en bourse sans avoir une histoire dans le mobile. Si vous ne savez pas raconter quelque chose dans le mobile, tout le monde passe mobile. Donc on s'est dit, le mobile, c'est intéressant, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Notamment, il y a un truc qui est très particulier dans le mobile, c'est les apps.
Les apps, c'est un modèle où il n'y a pas de cookies. Donc, pas de cookies, comment vous faites, comment vous suivez les internautes, comment vous pouvez faire du ciblage personnalisé. Donc, il existe d'autres technologies dans les apps. Pour ceux qui connaissent, un user ID qui est spécifique, on n'avait pas, donc on s'est dit, est-ce qu'on va réinventer l'eau chaude ? Et on a fait ce qu'on n'avait jamais fait, qui alors là, clairement, on a sorti de notre zone de confort. On a racheté une boîte, moi, ce qui était le truc qui m'angoissait, parce qu'on m'avait toujours dit, racheter des boîtes, en général, c'est la cata, on se fait avoir, c'est affreux. Et donc, j'y allais avec un peu avec des péplombs, mais on a trouvé une boîte fabuleuse en Angleterre, une petite équipe de techos qui avait développé justement une techno de tracking dans les apps, ce qui nous a permis d'avoir une histoire en fait, à raconter sur le mobile. Alors, au début, c'était une histoire, parce qu'il nous a fallu au moins 6 mois pour intégrer la technologie. Mais c'est ça qui nous a permis d'étendre le marché. Évidemment, le mobile, aujourd'hui, c'est un relais de croissance énorme pour Criteo, pour l'étape d'après. Et aujourd'hui, le mobile est un relais de croissance très important. Donc après, on est déjà en train de regarder le coup d'après. Entre-temps, on est rentré en bourse. Alors pourquoi on est rentré en bourse ? Pourquoi on est rentré aux États-Unis en bourse ? On s'est posé beaucoup la question. Moi, toute chose égale par ailleurs, j'aurais adoré rentrer en bourse à Paris. Ça aurait été le truc fabuleux. Maintenant, c'est encore une histoire d'écosystème. C'est qu'à Paris, dans notre domaine, la tech, il y avait pratiquement pas de comparable. Et si on voulait avoir des investisseurs qui nous connaissent, qui comprennent ce qu'on fait, et surtout des analystes qui comprennent ce qu'on fait, il fallait qu'on soit au Nasdaq, la place où il y a toute la technologie. Et je peux vous dire, même là-bas, on est encore en phase d'explication. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas très bien ce qu'on fait. Et qui comprennent Google, qui comprennent la pub traditionnelle. Mais on est un peu un modèle hybride entre deux, qui est très nouveau, quoi. Alors, une grosse intérêt de ce côté aux États-Unis, c'est que ben là, enfin, vis-à-vis des Américains, vous êtes un acteur local, vous faites partie du club. Ça nous a ouvert énormément de portes aux États-Unis en termes de marque Criteo. Et ça, c'est très important. Si vous voulez partir, même aux États-Unis, il y a des portes qui s'ouvrent que si vous êtes coté en bourse, quoi. Et en plus, la bourse, c'est quoi ? C'est des moyens financiers pour faire ce qu'on avait fait de manière un peu artisanale, c'est-à-dire de la croissance externe, de manière beaucoup plus volontariste. Et assez rapidement, puisque là, ça fait quand même à peine 6 mois qu'on est coté, on a déjà fait coup sur coup deux acquisitions. Et on est très content parce qu'on les a fait dans l'écosystème français, où on a des entreprises qui sont absolument formidables, dans des domaines connexes d'une autre, où ça nous a permis, encore une fois, d'étendre notre marché adressable. Et de repousser le ciel, repousser le sky encore plus loin. On a trouvé une boîte incroyable. Je les ai rencontrés complètement par hasard à Demexo au mois de septembre. Et les gars m'ont dit, Criteo, ça nous a inspiré. Et on a essayé de reproduire le modèle de Criteo dans le domaine de l'emailing. J'étais là, waouh, l'emailing. Pour moi, l'emailing, c'était un truc qui n'avait rien à voir. C'était du SaaS. Ce n'était pas du tout un modèle transactionnel. Chaque fois qu'on parlait d'emailing, on me disait, mais non, ce n'est pas pour nous. Et ils nous ont décrit quelque chose qui était le Criteo de l'email, où ils achetaient l'inventaire au CPM et ils avaient un modèle au clic comme nous. Et donc ça a été vraiment une histoire d'amour. Et donc très rapidement, on est rentré dans des négociations avec eux et au mois de février, on a conclu ça. Et donc maintenant, ça y est, ils ont déménagé physiquement, ils sont dans les mêmes locaux que nous. Et on a un nouveau produit qui s'appelle Criteo Email. Et on est très fiers de pouvoir, ça a permis aussi à un certain nombre d'investisseurs français de faire une jolie sortie. Et on est content de pouvoir contribuer à ça. Et plus récemment, alors on a acheté une autre entreprise, alors beaucoup plus petite en termes de taille, qui s'appelle AdQuantique, qui ont développé une technologie de bidding très sophistiquée. Et le bidding, c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire. Et ça, c'est, on est toujours à la recherche de nouveaux algos et d'équipes techniques hyper brillantes. C'est des gars absolument incroyables. Et là, pareil, maintenant, ils font partie de la grande famille de Criteo. Et donc, c'est vraiment sympa. Donc, on essaie de reproduire. Évidemment, on est encore un nain de jardin par rapport aux GAFA, aux Google, qui sont pour nous une source d'inspiration, d'essayer de voir jusqu'où on peut pousser le modèle. Mais ce qu'on a l'impression, c'est qu'on est encore qu'au début de l'histoire. C'est passionnant, il y a énormément de choses à faire. Ce marché de la pub, c'est 20, 40 milliards de dollars. C'est un marché qui est extrêmement inefficace aujourd'hui. Et c'est super, les marchés inefficaces, où il y a énormément d'argent, beaucoup de friction. Ça veut dire que si on fait les choses mieux, si on met beaucoup de techno, si on remplace un business qui faisait essentiellement entre la poire et le fromage par un business qui est drivé par des geeks, par de la techno, on arrive à faire des choses incroyables. Google dans le search a fait
un marché qui fait 40 milliards aujourd'hui à partir de zéro. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur d'autres formats publicitaires innovants, que ce soit dans le mobile, dans le display, dans l'emailing et dans d'autres formats bientôt. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Je ne vais pas trop vous saouler parce que tout le monde est fatigué, c'est la fin de la journée, il fait chaud. C'est super d'avoir une French Tech qui est hyper active, d'avoir des gens entre la Californie et l'Europe. Il faut vraiment être ça biculturel. Criteo, on est complètement multiculturel. L'équipe de management, il y a des gens du monde entier. Il y a des Français, des Anglais, des Allemands, des Américains, des Japonais. Et c'est ça que je vous invite à faire. On avait Armand Montebourg qui est venu nous faire une visite hier. Alors, tout le monde était un peu étonné, Armand Montebourg, parce qu'il y a eu toute une polémique autour de lui. Il a dit un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal. Il a dit, la Californie, c'est la 21e région française. Ça, j'ai dit, pas mal. Venant de lui, chapeau. Et j'ai trouvé que c'était quand même une belle image. Et c'est vraiment la French Tech. Alors bon, j'ai fait le discours en français, parce que pour une fois que je peux parler en français, d'habitude, je ne parle qu'en anglais toute la journée. Donc là, ça fait du bien. Je me sens mieux. J'espère que les anglophones me pardonneront. Voilà, et me parleront aussi. Donc voilà, merci à tous. Merci et bravo la French Tech. Merci. Olivier, à toi la parole pour conclure. Merci. Est-ce que tu resterais avec nous? On va appeler pour vous remercier tous d'avoir été là. C'est la fin de la journée et on aimerait appeler tous les jeunes avec les t-shirts blancs qui viennent des écoles de commerce pour les remercier. On a été super aidés. Vous avez vu que la journée était hyper bien organisée. Donc il faut qu'on fasse le plus gros selfie avec Jean-Baptiste Rudel en star. Et Willy, Mathieu, Taro, si vous voulez monter aussi. Si vous avez des photos à prendre, vous pourrez les partager. Merci les gars, c'était top. C'est super organisé. Tous les autres ont été très très bien reçus. C'est beaucoup de boulot. Willy devant. In front of the stage. Le délégué général de France Digital. Wow. Ah ouais, on peut faire le plus grand selfie du monde aussi. Excellent. Est-ce qu'on appelle les délégations régionales aussi? Elles sont là. Si les délégations régionales nous entendent, notamment Grenoble, ma ville natale. Toutes les régions de la French Tech. Bravo. Merci. Montpellier. La Côte d'Azur en force. Merci d'être venus. Merci à tous d'avoir été là. Rennes. Redites-moi votre région. Bordeaux. Yeah. Go for Bordeaux. Bordeaux aussi, c'est cool. Oh là, Bordeaux, ils sont en force. Voilà, la French Tech, c'est aussi les régions. C'est cool. Merci. Merci d'avoir été là. Bravo. Montpellier. Bon, ils sont où les Grenoblois là? Ils sont plus que trois, mais moi je suis aussi Grenoblois. Et Gaël Duval aussi, la French Tech à New York, sur la scène. Et voilà, bon bah merci à tous. Et pour les quelques-uns qui ont le privilège de pouvoir y aller, il y a le bus qui part maintenant pour l'Elysée. Pour les quelques-uns qui sont sur la VIP list. Les speakers et les sponsors et nos amis VC américains et européens qui étaient parmi nous. Donc merci à tous, bravo les gars. Donc rendez-vous devant pour prendre le bus.